C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on en aura fini avec le virus. Les personnes qui ont deux doses, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles. A-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. On n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens. À partir du 15 décembre, il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Non, évidemment, il n'y a pas des milliers de morts cachés du vaccin. Parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux, la phase 3 est terminée depuis des mois. Je suis vacciné, j'ai mon pass sanitaire et j'ai eu le Covid il y a 3 semaines. Tous vaccinés, tous protégés.